Bonsoir à tous, bienvenue sur Total Sport Caraïbes. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette rencontre, pour ce choc de la 11e journée Régional 3 Accession ASC Carénage. Leader 48 points reçoit l'AS Dynamo, deuxième 45 points au classement. Donc c'est un duel intéressant dans le cadre de cette rencontre, mesdames et messieurs, ici au stade Jacques. En fait, pas Jacques Fourini, ASC Carénage, c'est l'équipe de Moule, mais Carénage, c'est l'équipe des abîmes, mesdames et messieurs. Donc, très rapidement, la composition des deux équipes, en commençant par cette formation de l'ASC Carénage, qui va jouer dans les buts avec Lawrence Yuswan, numéro 1. Donc, cette équipe qui va jouer à 4-2-3-1. Actri, Johan, latéral gauche, dans l'axe de la défense, c'est Bernadé Ludric et Béchaoui Anthony. Au milieu de terrain, Ali, Ngad Assami, Claudion Noam sur le côté droit, résident Jaël et Kevin Moua Yapin, numéro 10, Galantine Raoul, numéro 8, Digbe Alexis, numéro 9, Francis Léonard, numéro 11 pour l'AS Nénuphar. C'est Sambé Raphaël qui est donc le portier, Figaro Florian, défenseur gauche. Il y a Chambaud, Nicolas, numéro 6, latéral droit. Il y a Andy Faubert et Gaël Milieu dans l'axe de la défense. Boucher, Daniel et Ajinka Kevin, les deux récupérateurs. Floret, aussi dans numéro 8, devant les deux. Et puis, il y a bien sûr Ricardo Sidicina et... il y a bien sûr Passav Sydney et Daniel Sudre. Donc vraiment merci d'être avec nous, les leaders. Cette équipe de la AS Nénuphar, deuxième au classement, doit gagner ce soir pour essayer de prendre la première place en détriment de cette équipe de l'AS Carénage, meilleure attaque, et cette équipe de l'AS Dynamo est donc meilleure en défense. Joli Jérôme au commentaire. Don Dave est donc avec nous. Donc vraiment merci infiniment d'être toujours avec nous sur Total Sport Caraïbes pour les différentes rencontres. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de jouer quelques... le temps pour moi de gérer ça très vite. Voilà, c'est parti pour cette rencontre ici aux Abîmes, mesdames et messieurs, entre les deux formations. Match capital pour la montée en Régional 2 entre l'AS Carénage, leader, et cette équipe de l'AS Nénuphar, à deuxième. Et ce ballon en défense sont dégagés par cette formation de l'AS Nénuphar. Récupération avec cette équipe de Carénage, avec Anthony qui va chercher un partenaire sur le côté droit. Intervention de la tête de la défense à Moulienne. Et ce ballon au milieu de terrain avec le numéro 2. Il s'agit bien sûr de Jaël. Intervention de la tête. En fait, c'est Bouchy Daniel, le numéro 2 de l'AS Nénuphar, qui va repartir avec ce ballon en retrait sur Gaël,
La passe de Gayle. Sur son numéro 7, passe à Sidney qui essaie de trouver un partenaire sur le côté droit. Il s'est très bien fait sur Chambo. Nicolas. Nicolas qui a contrôlé les cœurs. Nicolas qui essaie de jouer sur un partenaire. Il s'agit bien sûr de Ricardo, le centre de Ricardo. Attention à ce ballon de la surface de réparation, mais intervention de la défense avec le numéro 4, Benadeh Mitric. Et c'est cette formation de l'escalinage qui va repartir à l'attaque avec ce ballon pour le numéro 9. Il s'agit bien sûr de Digby Alexis, l'ancien joueur de la Red Star. Et la balle est donc toujours abîmée avec cette passe en profondeur. Mais le ballon qui est allé dans le décor. Toujours la deuxième minute en jeu dans ce match. Zéro but partout entre et carénage et la formation en deux. De l'Ace en uniforme. Ah, le temps pour moi de gérer quelques petits trucs très vite. Cette équipe de l'Est Nénifor qui va repartir à l'attaque avec ce ballon sur Passava Sydney qui est allé en touche. Alors, donc j'étais en train de regarder pour le son, mais tout est bon. Bonsoir Joël Noyon, bonsoir Lamy, bonsoir Raymond Germain. Et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous sur Total Sport Caraïbes pour ce match, pour ce choc de la régionale 2 entre cette formation de l'AS Nénuphar et Carénage ou Carénage à Nénuphar. Attention à ces ballons. Et il y a de l'espace sur le côté. Attention, intervention de la défense avec Andy Faubert qui a dégagé le ballon. Ici, Chambon Nicolas qui va jouer en retrait sur Gaël qui met le ballon en touche pour les locaux. Mesdames et messieurs, match en retard, 11e journée de la Régionale 3. Carénage, 48 points, 49 buts marqués, 19 buts encaissés. Meilleure attaque du championnat. Et cette équipe Pandelès Nénuphar, 45 points, 33 buts marqués, 12 buts encaissés. La meilleure défense. Et ce ballon dégagé, sorti en touche. Bonsoir Viviane, bonsoir Craig, bonsoir également à notre ami Fred Ardial, bonsoir Mehdi Semak, bonsoir Thermi Chris et bonsoir à vous tous. Et je dois vous dire, ce week-end, Total Sport sera en direct à Le Moule pour ce derby entre le CSM et la formation de l'AS Dynamo. À l'aller, l'AS Dynamo avait gagné 2-1. Et puis, vendredi soir, le leader sera en déplacement sur les terrains de l'USBM. C'est à suivre également sur Total Sport Caraïbes. Et sans oublier le rendez-vous de vendredi après-midi, 16h, 17h sur Total Sport Caraïbes avec l'un des meilleurs joueurs du championnat. La révélation tout simplement en cette saison pour l'émission Total Régal. Et ce ballon avec Benadeh Mitric qui met le ballon dans la boîte. Attention, ce ballon capté par le gardien Sambef Raphaël. Raphaël qui joue à ce ballon en milieu de terrain. Ici, bien fait avec, bien sûr, Ajinka Kevin qui trouve un partenaire. C'était Sidney Passav. Et ce ballon, Anthony Meshawi qui dégage pour SC Carénage. La tête de boucher Daniel. Deuxième ballon pour les jaunes et noirs. Attention à ce ballon. L'avantage a été laissé. C'est très bien fait ce ballon en profondeur. Le dégagement de Jaël. Et cette équipe pour le l'AS Nénuphar. Et qui a ce ballon. Avec Andy Faubert qui trouve un partenaire. Et c'est très bien fait. C'est le numéro 10, Ricardo, qui fait la différence. La passe de Ricardo. Attention à ce dégagement marqué. Et derrière, très bon retour de Ludric. Qui joue comme gardien. Attention à ces ballons. Attention à ces ballons. La possibilité de premier but. Alexis Digbé.
Voilà, Alexis Digbé qui avait la première occasion dans ce match, hein, le numéro 11. Hein. Est-ce que c'était Alexis? Il me semble. Ouais, c'était bien Alexis Digbé. Ah, c'est le numéro 9, Alexis Digbé, l'ancien joueur de la Resta. Il avait la première vraie occasion dans ce match. Parade décisive de Sambé Raphaël. Le premier corner. Le corner à venir. Pour cette formation de l'AC Carénage. Attention à ce ballon. Deuxième poteau. Intervention de la tête. Nouveau corner. Un nouveau corner à venir. Pour cette formation de l'AC Carénage qui met la pression. Attention à ce ballon, le contrôle dans la surface de réparation, ce ballon dégagé. Et ça va sortir en touche pour les locaux. Zéro but partout dans ce match, en 7e minute de jeu. À la touche à venir pour Jaël. Et qui met le ballon dans la boîte, le dégagement de la défense. Moulienne, mauvais contrôle de Daniel Sudre. Béchaoui qui ne prend pas de risque. Il y a faute sur le joueur de cette équipe de l'AC Carénage et qui met la pression devant les buts de Sambé Raphaël. Hier soir, il faut noter la victoire de la solidarité scolaire. À 3 buts à 0, dépend de la Juventus 102 Sainte-Anne. Donc cette équipe de la Juventus 102 Sainte-Anne qui est en train de vivre un moment difficile. Et ce coup franc à venir avec Béchaoui Anthony qui va mettre les ballons, c'est contré dans le mur. Ah, il y avait faute temps. Ensuite, le joueur de cette formation de l'AS en Elifar. Choc entre des formations qui se battent pour la montée. Le ballon directement touchant. Zéro but partout entre cette formation de Carénage et cette formation de Nénifor. La tête de passable Sydney. Nouvelle touche pour les locaux. Jaël pour beauté, pour effectuer cette touche. Et ce ballon avec un passable Sydney. Il y a faute. Il y a faute sur un fluoroxyde. En tout cas, il y a l'éclair de Petit Beau qui est troisième. Derrière cette équipe de Nénuphar qui totalise 42 points pour 13 matchs. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon dans la boîte de Ricardo. Attention. Voilà l'ouverture du score, mesdames et messieurs. Voilà l'ouverture du score. Alexis Digbé pour décompter la situation. 11e minute temps de jeu. Cette équipe de Carénage prend les devants dans ce match. Grâce à cette réalisation de Alexis Digbé, on va revoir cette action.
à ce travail réalisé par Ricardo Sidisina pour servir parfaitement Alexis Digbe. 1-0 pour Carénage qui prend les devants dans ce match. Voilà, cette formation de Carénage qui ouvre le score à la 11e minute en de jeu par Alexis Digbe de la tête. Alors effectivement, il y a un mondial qui est juste quatrième, pas trop loin de la troisième place et quatrième place. Bonsoir Mathieu et Abénon, hein, qui est avec nous. Donc, voilà. Bonsoir Yaron Atlan. Attention à ce ballon. Intervention du gardien pour mettre ce ballon en corner. Voilà, cette formation de l'AS en uniforme qui essaie de réagir. Et c'est un corner à venir pour cette équipe en deux, l'AS en uniforme. Attention à ce ballon au second poteau qui est là. Intervention et le ballon est allé en corner. Voilà, on va revoir à ce coup franc de cette formation de Carénage. Voilà, il fallait cette intervention du gardien Lawens pour mettre ce ballon en corner. Là. Solidarité scolaire qui a gagné hier soir 3-0 avec un doublé signé Yaron Atlan et une passe décisive pour Raphaël Mural. Attention à ce ballon, intervention du gagnant. Et c'est cette formation de Karina qui parvient à dégager la déviation d'Alexis Digbe. Attention à la rapidité, ce ballon mal dégagé et c'est bien fait cette passe. Et derrière, cette passe n'a pas été suivie. Et c'est cette équipe de Carénage qui va concéder la touche pour Galantine Raoul qui met en retrait le centre de Jaël qui est donc dans la boîte. C'est la défense Molienne qui parvient à dégager. Deuxième ballon pour cette formation de l'AS Nénuphar avec Boucher Daniel qui trouve Figaro Florian. Ballon récupéré par cette formation des Carénage. Intervention de la défense avec Andy Faubert. Il n'y a pas faute, suivant l'indication de la vue centrale. Et l'AS Nénuphar reprend la possession avec Daniel Boucher. Le contrôle de Daniel Sudre. Il y avait faute. Suivant ce qu'a indiqué l'arbitre central de ce match. Ah, 4 victoires ce soir, cette équipe de Carénage va prendre une belle option pour la montée. Et ce coup franc, beauté, attention, intervention de la tête, intervention, le ballon est allé en corner. Ah, sur un coup de pied arrêté, cette équipe de l'AS Nénuphar est capable de faire très mal à cette équipe de Carénage. Attention, ce ballon dégagé de la tête. Un deuxième ballon. Attention, il n'y a pas au jeu. Si, il y avait au jeu. Intervention de la défense. Attention, il y a de l'espace avec cette équipe de l'AS Carénage.
Pour le moment, la meilleure défense du championnat cède quelques espaces à ce match. L'occasion pour nous de revoir ce but. Digbeu Alexis seul au second poteau pour permettre à cette formation de laisser Carinage de prendre les devants. La touche pour les visiteurs dans ce match. 17e minute en jeu, quasi bouclé. 1-0 pour Carinage. But inscrit par Digbeu Alexis. Alors, 11e minute en jeu. Bonsoir Eric Garimé. Et bonsoir à vous les amis qui sont avec nous sur YouTube. Attention à ce ballon sur le côté à gauche avec Kevin. Attention à ce travail de Francis Léonard. Le ballon est allé dans le décor. Toujours 1-0 pour Carinage. Attention à ce ballon dans la boîte. Deuxième balle pour et Carinage avec le numéro 7. Il s'agit bien sûr de Claudion Noir. Le dégagement des visiteurs. Anthony. Qui avait dégagé ce ballon. Il y a la faute pour les locaux. Merci à nos amis qui sont sur YouTube avec nous. Attention à ce ballon dans la boîte. Il y a au jeu. Il y a au jeu. Suivant ce qu'a indiqué l'arbitre assistant. Bonsoir à notre ami Marcel Brosseau qui est sur YouTube avec nous. Et bonsoir à vous, les amis de YouTube. Ce ballon pour cette équipe en deux. Et Carinage, en dégagement des actrices Joanne, en touchant pour les Moliens. À suivre sur Total Sport Caraïbes ce week-end, vendredi, l'émission Total Régal, 16h-17h. Et puis l'USBM qui reçoit le Souroko des Abîmes à 20h30, vendredi sur Total Sport Caraïbes, à samedi à 20h. Le derby molien entre le CSM et la formation de l'AS Dynamo. Gros match à venir au Moule. Un derby, ça se gagne. C'est comme une finale. Attention à ce ballon dans la boîte. Intervention de la tête de Claudion. Cette formation de Nénufa récupère. Avec ce ballon sur le côté droit. Attention à ce centre contré. Sorti en corner. Voilà, cette équipe de Nénufa. Qui essaie de mettre... Ah oui, c'est clair. En cas de victoire, donc
carénage. On fait voir un gros, un grand, un long pas vers la montée. Attention à ce corner, beauté, intervention de la tête en deuxième ballon pour Carinage qui va dégager. Andy Faubert, intervention de Raoul qui trouve Claudion. Attention, ça peut aller vite du côté de cette équipe de Carinage avec le numéro 11. Il s'agit bien sûr de Francis Léonard. Attention à ce travail sur le côté gauche, c'est très bien fait. Il a été dépossédé. C'est Kevin Mouragnapin qui a été descendu. Les coups francs vénère pour cette équipe. Pour cette équipe de carénage. Avec le numéro 5, Anthony Bersawe pour jouer ce ballon. Ah, attention, il a un très bon coup de patte. Anthony, et qui a déjà marqué sur coup franc dans cette saison. Un très bon joueur de futsal également. Anthony pour beauté sur coup franc excentré. À côté droit de l'Est Nénuphar, Anthony qui met le ballon directement sur les gardiens. Le ballon est allé en corner. Ouais, le ballon est allé en corner. On va voir ce coup franc à ras de sol. Au premier poteau. Un corner à venir pour cette formation de l'ASC Carénage. Attention, premier poteau, intervention de la défense en deuxième balle pour les locaux avec ce ballon. Il y a au jeu, il y a au jeu. Il y a au jeu de Claudio Noam. On va revoir cette action, mesdames et messieurs, où Claudio Noam a été signalé en position illicite. Allez, on va revoir ça. Attention, on va revenir. On va revoir ça une deuxième fois. Ah, il me semble que oui. Il me semble qu'il était hors jeu. Ouais, il est hors jeu. Ouais, c'est bien arbitré par l'arbitre assistant. Attention à ce ballon. Récupéré au milieu de terrain. Non. Nénuphar qui a encore ce ballon. Sur le côté droit, avec Ricardo, on la passe en deux, à Boucher Daniel, était mauvaise. Et c'est cette équipe en deux, et Carénage, qui va bénéficier d'une touche. Attention à ce centre dans la surface de réparation. Et ce ballon et cette frappe contrée.
il n'y a pas enjeu. Il n'y a pas enjeu de Digby Alexis. Le deuxième, c'est la batte transversale. Ah, c'est la batte transversale qui fait échec. Ah, ce ballon, oh, cette frappe. Ah, cette équipe de carénage qui met la pression pour aller chercher le deuxième but. Attention à ces ballons, attention à ces ballons. Intervention propre à corner. Ah, c'est Francis Léonard. On va voir cette action où cette équipe de carénage a trouvé la barre transversale, la déviation. Et derrière, c'est Francis Léonard. Et malchanceux sur ce ballon. Ah, c'est l'aluminium qui fait shake à cette frappe pendue longue ligne. Attaquant de carénage, Francis Saint-Léonard. Et ce ballon. Mauvais centre de l'actrice Joanne. Le ballon qui est allé dans le décor. Rappelez que cette équipe de carénage mène par 1-0. But inscrit par Digby Alexis. Le buteur patenté de cette équipe de carénage. Et vous êtes sur Total Sport Caraïbes pour ce match à choc de la régionale 3. L'Estenifar qui va essayer de repartir avec un ballon, un long ballon. Intervention de la défense. Le ballon est allé en touche. En touche pour Florian Figao. En retrait. Andy Faubert qui essaie de trouver un partenaire. Et c'est le numéro 10, Ricardo. C'est Dissina qui a mal contrôlé ce ballon. Alors, comme entraîneur sur la fin du match, je vois ces pioches ici. À Florian. Le ballon est sorti en touche. Dégagement de Bessaroui. Lui, il ne prend pas de risque. Intervention de Gaël Méliot. La deuxième balle pour les Mouliens. Pas pour longtemps. Grosse bataille pour la possession du ballon. Et c'est un coup franc pour les locaux. La seconde indication de l'arbitre central. Attention à ce long coup franc de Bernadé Métric. Il n'y avait personne au second poteau. Et le ballon qui est allé dans le décor, mesdames et messieurs. Total Sport Caraïbes vous on propose Total Régal, l'émission Total Régal, vendredi à 16h, à 17h. Et puis, vendredi soir, pour ce match entre l'USBM qui est
pour le moment à barragiste contre Sirocco des Abîmes, leader de la régionale 1. Et samedi, le derby moulien à suivre également sur Total Sport Caraïbes. Attention, ça peut aller vite. La déviation de Francis Léonard. Le contrôle de Alexis Digbé. Et ce ballon dégagé en touche par Figaro Florian. Oui, c'est ouais, Abemaro. Donc, c'est l'USBM qui reçoit le Sirocco des Abîmes. Cette équipe de l'AS Nunifor qui ouais, ça devrait donner un beau match entre l'USBM qui se bat pour son maintien et le Sirocco des Abîmes qui est leader. Donc, ça devrait donner normalement un beau match. Et Luc, bonne année pour jouer ce ballon. Attention, et ce ballon capté par le gardien. Cette équipe de l'AS Nunifor. Ils se repartent, mais ils ont du mal à trouver le numéro 9. Il s'agit de Daniel Sudre. Un très bon travail de passe, en fait, de Claudio Noam pour jouer en retrait sur le numéro 2. Ballon capté par les gardiens de l'AS Nunifor. Ce ballon récupéré, attention, ce ballon dans l'intervalle, l'intervention, ce ballon est allé dans l'unicor. Oui, le ballon qui est allé dans l'unicor. Intervention de la tête de Lutric Bonadé. Et effectivement, ça manque un peu de justesse technique au milieu de terrain. Et derrière, carénage qui joue quasiment tous les ballons aériens avec Bonardé, Ludric et Béchaoui Anthony. Récupération avec Florent Ruisside. Béchaoui qui dégage très loin. Un deuxième ballon pour
les visiteurs. 35e minute en jeu, bientôt 36e. Anunifa qui met le ballon directement sur la tête de Littrick qui trouve Actri Johan qui essaie de changer le ballon du côté. Derrière, c'est la défense sans moulienne qui avait fait la différence, mais pas pour longtemps. Et derrière, ça peut aller très vite avec Francis Léonard. Il y a faute de Francis. Andy Faubert qui dégage les ballons. Attention, attention, ça peut aller vite pour cette équipe pendant l'Unifa. Ah, et puis maladroit également devant le but, même si pour le moment il n'y a pas de, des occasions très franches. Mais il y a quelques situations. On touche en retrait. Un Bonardé qui fait la différence, mais il y avait faute sur Bonardé. À Ludric. Ouais, pour le moment, le jeu qui baisse un peu en intensité. Ludric pour trouver son numéro 8. Galantine Raoul. Intervention de la tête en deuxième ballon pour Raoul qui trouve un portonné. C'est bien fait. Attention, Galantine qui va frapper le ballon qui est passé à côté. Le ballon qui est passé à côté sur cette frappe par Galantine Raoul. Elle prend le jeu avec ce ballon pour les visiteurs Florian. Là, pour le moment, c'est difficile de trouver Ah oui, ils sont beaucoup plus toniques, beaucoup plus mobiles au milieu de terrain. Galantine assure la Claudio Noam qui essaie de jouer en profondeur. Une très bonne lecture de la défense. Le but à zéro pour un carénage. Si vous nous rejoignez à peine. Le but inscrit à la 11e minute en de jeu par Digbé Alexis. Attention, c'est centre de Raoul. La déviation de la tête de Digbé Alexis qui essaie de reprendre la possession du ballon. Mais c'est Nunifa qui va repartir avec ce ballon. Florent Wilson, ballon perdu très vite. Et derrière cette passe. Noam qui fait la différence à Raoul Galantine
Raoul a devancé. Ah, ça va être compliqué. Il y a faute sur le numéro 10 de l'uniforme. Jenkins Kevin. La Boucher Daniel assure un passage à Sydney. Un très bon tour à Daniel. Qui trouve Daniel. Il y a deux Daniel, en fait. Il y a deux Daniel, Boucher Daniel et Sudre Daniel. À Figaro, à Florian. Attention, ça peut aller vite. Digby Alexis, il n'y a pas faute à suivre ce qu'a indiqué l'arbitre central. Pour le moment, un très bon arbitrage de ces jeunes. Attention, il est très beau. La très belle fin de temps du joueur de l'Est de l'effort pour trouver un partenaire. Mais derrière ce centre, où est le gardien, ce ballon est capté par le portier. Il y avait peut-être mieux à faire pour le passage à Sydney. Il y a faute. Il va y avoir un avertissement. Voilà, le premier avertissement dans ce match pour Gaël. Mais lui, non. Non, pour le moment, il n'y a pas. Eh bien, ça oui, pour botter ce ballon. Alors, le gardien de Kaunage s'appelle Lawrence Yuswan. Voilà. Lawrence Yuswan. Anthony Descharoui pour son troisième coup franc dans ce match. Anthony qui met le ballon ras de sol, mais ce ballon détourné. Deuxième ballon dans la surface de réparation. Un nouveau dégagement de carénage, récupération. De cette formation du carénage, en fait, c'est Nounifa qui avait dégagé ce ballon. Galantine, Raoul, la fin de temps de Galantine pour mettre les ballons dans la boîte. Et c'est cette équipe de Nounifa qui va essayer de repartir avec un mauvais passe. Mauvaise passe de Ricardo. D'ici. Ainsi, d'ici là. Attention, cette passe, c'est très bien fait. Alors, sur Kevin, Moignapin, Kevin, chassé par deux joueurs. Et ce ballon récupéré par les Jolis Noirs pour dégager. Et c'est le Longiling, un défenseur de carénage, qui a joué ce ballon. Et voilà, c'est la fin de cette. Une première période qui est soldée sur le score. D'un but à zéro. Un but inscrit par le numéro 9, Digbe Alexis. Et vous aurez l'occasion de revoir ce but. Quelques instants, le temps pour moi de trouver le fichier de ce but. Voilà, on va voir si c'est voilà, c'est ici, il me semble. Oui.
Voilà, c'est sur cette occasion où Carénage a décanté la situation. La passe de Francis Léonard et la tête de Digbé Alexis. Voilà. Un but à zéro, le score à la pause. Donc, on va observer une pause. Le temps de vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième période de ce match. À tout à l'heure.
De retour pour la deuxième période de ce match entre Carénage et la formation de l'AS Nénuphar. Pour le moment, c'est Voilà. le leader Carénage qui mène par un but à zéro grâce à cette réalisation depuis la 11e minute de jeu signée Digbé Alexis. Donc, cette équipe de Carénage qui doit montrer un autre visage en deuxième période s'ils veulent vraiment gagner ce match pour recoller un petit peu au classement à cette équipe de Nénuphar. Donc la deuxième période va commencer dans quelques instants, mesdames et messieurs. Donc vraiment merci d'être toujours avec nous, d'être toujours connecté pour cette rencontre de la 11e journée régionale 3 à Accession. Il faut noter que Carénage est leader et il joue contre leur dauphin. Donc c'est parti pour la deuxième période, mesdames et messieurs. Avec ce ballon pour cette équipe de Carénage, avec Raoul Galatine devancé par Figaro Florian. Attention, le ballon dans la boîte était en fonction et derrière, et ce contrôle était un peu trop long. Le ballon qui va directement dans le décor à 6 mètres pour cette équipe de Nénuphar. Ça joue très vite avec Andy Faubert qui met le ballon en profondeur. Donc il faut que cette équipe de l'AS Nénuphar arrive à poser un petit peu le ballon. Claudion Anouam a devancé par le numéro 4 Andy Faubert pour mettre ce ballon directement en touche dans cette rencontre. Carénage qui avait les meilleures occasions et Carénage qui mène logiquement par un but à zéro. On les touche. Un dégagement du côté de l'AS Nénuphar. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute sur le numéro 10, Ricardo Sidisina. Vendredi soir, sur Total Sport Caraïbes, à l'USBM contre le Sirocco des Alimes. Et puis, évidemment, un peu plus tôt, à 16h, il y aura Total Régal sur Total Sport Caraïbes. Attention à ce ballon, intervention de Anthony Béchaoui. À deuxième balle pour les Moulins qui parviennent à jouer en retrait. Dégagement manqué et derrière ça peut aller vite. Et intervention, la passe assure le numéro 8. Il s'agit bien sûr de Galantine Raoul. Et qui met le ballon dans la boîte. Mais si la défense, attention à ces cadeaux. Attention à ces cadeaux. Voilà le deuxième. Voilà le deuxième. C'est Ricardo. C'est Ricardo. C'est Dissina qui fait ce cadeau. Ricardo fait un cadeau. Et Francis Léonard qui profite pour mettre le ballon au fond. On joue la 48e minute de jeu. Et ça fait 2-0 pour Carénage. Ricardo qui fait un cadeau.
Ah, pourtant, les gars, il était trop à l'aise pour pouvoir jouer le ballon en profondeur pour faire ce qu'il veut. Mais il a choisi de faire. Il a choisi de faire le plus compliqué. On va le voir là. Ah non, mais lui, c'est pas un attaquant parce qu'un attaquant. Voilà, la première intention, c'est mettre sa tête de la bataille sur ce ballon. Intervention, attention à ce ballon récupéré. Cette frappe de Francis Léonard était trop faible et derrière. Et pourquoi pas sur ce ballon, mais le dégagement de Lutric va bonarder. Et on va voir ce but. Quel cadeau de Ricardo Sidisina. Oh, il met le ballon dans la boîte. Regardez-moi ça. À Kevin Mouagnapin qui célébrait déjà le but à 2-0 pour cette équipe de Carénage qui entame la deuxième période de la meilleure des façons. À 2-0 pour les Abymiens. Et pourtant, il a fait un très bon retour. Il y a faute de Francis. Joël, pourtant, il a fait. Ah, regardez-moi ça. Ah, oui, cadeau. Eh bien, il a fait un cadeau, tout simplement. Eh oui. Il a fait un cadeau. Attention, c'est malin. Oh! Ah, les coups francs étaient magnifiquement bien bottés. Avec Carénage qui. Ah, ces coups francs lointains. Ah, qui a trouvé la barre transversale. C'est vrai, Mathieu. Ricardo a fait un cadeau, c'est pas si grave que ça. À 2-0 pour cette formation de Carénage et qui fait un nouveau pas vers la montée en régional 2 pour la nouvelle exercice. Hier soir, cette équipe de la Juventus a fait un pas vers la R2 également. Donc, c'est pas dans. Fait, disons, la Juventus a fait pas un retrait. La solidarité scolaire a fait un très bon résultat. Pour le moment, non, il est gable. Et l'USBM, pour le moment, ah, est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a faute vraiment? On va voir cette action où la butte centrale met un carton jaune à. Ah oui, il y a faute, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute et en plus, il est bien sorti avec le carton jaune. Ah, il est très bien sorti avec le carton jaune. Bah,
Ah non. Et sur l'arbitre, il a très bien arbitré Joël. Il a très bien arbitré. Attention, on va revenir sur cette action pour cette information de Nénuphar. Ce ballon dégagé, la déviation de Francis. Et ce ballon en profondeur, intervention de la défense de Nénuphar pour jouer ce ballon. Donc, je vous disais que l'arbitre, il a très bien arbitré. Vous allez voir pourquoi il n'y a pas carton rouge. Regardez le défenseur numéro 4. Regardez, au moment du tacle, lui, il est le dernier défenseur. Donc, le numéro 4, à ce moment-là, c'est lui le dernier défenseur. Donc, franchement, ce jeune arbitre, je pense qu'il a de l'avenir parce que cette action, Ricardo, Ricardo, je pense qu'on va le remplacer. Non, pour le moment, c'est le numéro 7 qui va remplacer du côté de l'AS Nénuphar. Le numéro 7 du côté de l'AS Nénuphar, c'est Passa va Sydney, remplacé par le numéro 15, Johan Angustos. Et puis, l'autre changement, le numéro 12 va rentrer, Thénard Julien. Je pense que c'est à la place de Ricardo. On verra. Ah, Ricardo sent qu'il va sortir. Ah, ouais, voilà. Ricardo sent qu'il va sortir. C'est pourquoi il a fait cette dernière frappe. Non, je vous disais, l'arbitre, il a très bien arbitré. Parce que sur cette action, il y a des arbitres qui ont remis rouge. Alors que, regardez, le numéro 4, voilà. C'est le numéro 4 à ce moment-là qui est le dernier défenseur. Donc le numéro 5, Anthony Béchaoui, n'est plus le dernier défenseur. C'est vraiment très bien arbitré. Ben, il faut faire confiance aux jeunes arbitres parce que, voilà, il y a certains jeunes arbitres qui font des très bons matchs. Attention, ce ballon qui va sortir en touche. Ah oui, je pense qu'il faut lui donner un peu plus de confiance, ces jeunes arbitres. Et puis, voilà. Parce que c'est des jeunes qui maîtrisent les règlements, c'est des jeunes physiquement qui sont à point. Donc voilà, je pense qu'ils sont très intelligents pour prendre les rênes de notre football, même si c'est pas facile. Il faut marier l'expérience des anciens et les jeunes. Donc voilà, dans les prochaines années, on devrait avoir normalement un arbitrage beaucoup plus jeune et beaucoup plus solide. Voilà. Attention, ce ballon est dans la boîte. Les gardiens, ils se sont pas compris. Ah non, 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 Francis Léonard. Et qui avait à deux reprises, il a fait pousser l'arbitre. Ah, oui, il mérite le jaune. Oui, c'est mérité, c'est mérité. Avertissement pour Jaël, le latéral droit de cette formation de carénage. Ah non, les gars, il n'est pas du tout maladroit. Hein. Et il fait certains matchs comme assistant, il est bon. Hein. Il est bon. Donc, ouais, je pense qu'on doit aller faire confiance. Un peu plus de confiance, ces jeunes arbitres. Attention à ce ballon. Ouais, c'est.
Il n'y a pas de problème, Jordan. Ah oui, donc voilà, c'est des jeunes qui progressent. Il faut les faire confiance sur certains matchs. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Moi, arbitrage, arbitré et entraîneur, c'est pas du tout facile. Arbitrer et entraîner, c'est pas du tout facile. Hein. Donc, honnêtement, si j'avais une profession à faire, je serais. Ah, attention à ce travail! Ah, c'est total régal, on va pas le manquer. Hein. Ah, ce geste du joueur de carénage pour jeter le numéro 602, l'éléphant, il y a faute. Arbitrer et entraîner, ah non! C'est pas du tout facile. Et mine de rien, la formation arbitrage, c'est pas facile. Elle n'est pas facile du tout non plus. Attention à ce long ballon. Le ballon est allé dans le décor. Donc, le temps de revoir peut-être ce geste technique du genre de cette équipe de carénage. C'est le numéro 10. Ah ouais, il a mis au sol carrément. Il a mis au sol carrément. Et Nicolas Chambaud aussi. Et Kevin Mouagnapin qui a mis au sol le défenseur. Oui, moi aussi, j'ai fait la formation d'arbitrage. Donc, c'est pas facile. Hein. Il y a pas faute. Oui, si, il y a faute. C'est pas facile. C'est pas facile parce que avec, voilà, il y a la pression du public. Il y a tout. Moi, j'avais fait la formation, c'était pour comprendre, pour maîtriser un peu plus les lois du jeu, pour comprendre. Donc, j'ai eu la chance de faire des matchs de U15 arbitrés en R3. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et entraîner, c'est. Encore, c'est. Moi, je trouve le travail des entraîneurs, c'est très difficile. Surtout quand vous avez des joueurs qui ne sont pas à l'écoute. Donc, forcément, c'est épuisant. C'est épuisant. Quand vous voyez, vous perdez un match à la 94e minute de jeu. Donc, non, c'est pas facile. Attention, en le dégagement de la tête. Deuxième ballon pour physiquement. Moi, je vous dis, je perds 3 kilos. Je perds 3 kilos, je joue là. Propre. Ah. Attention à ce qui frappe. Capté. Les fans du carénage qui demandent mais le dégagement de Anthony. Attention à ce ballon. Raymond Gervais. Attention à ce ballon, il bouge jamais, Joël. Oui, c'est Christian Zabo qui était mon formateur. Ah oui, c'est le gars, il est dur, hein, Christian. Monsieur Zabo, il est dur. Hein.
Il rigole pas. Donc, franchement, la formation même, c'est pas du tout facile. Et il y avait Monsieur Zabo, il y a un autre qui est plus sur Baster. Lui aussi, c'est dur à cuire. Hein. C'est dur à cuire. Attention, à ce ballon dans la boîte. Intervention, le ballon qui est passé à côté. Joël, donc quand tu viens ici, il faut qu'on aille voir Raymond, parce que là il fait faire un défi, hein. Le test physique c'est le plus dur. Attention à ce ballon, intervention de la tête, la deuxième balle pour les Moulins. Intervention avec les jaunes et noirs de l'Est Unifor. Le ballon en profondeur. Le contrôle de la poitrine. Il ne faut pas commettre de faute. Et oui, il y avait faute. Il y avait faute. Si magnifiquement bien arbitré. Le coup franc vénère pour cette formation de l'Est Unifor qui a la possibilité de réduire le score en 65e minute de jeu. Ah, ok. Philippe Touraine. Ah, lui, c'est un dur à cuire également. Ah, Philippe Touraine. Merci beaucoup, Monsieur Zabo. Ouais, c'est Philippe Touraine. Et ce coup franc à venir pour cette équipe de l'AS en uniforme. Intervention de la tête de Béchaoui. Dégagement final. Et ce ballon va sortir en touche. Et capté par M. Cavaré. Voilà, un changement à venir. La sortie du numéro 6. Le numéro 6, remplacé par Félicien Isaac. Intervention de Bonadé électrique. Récupération de l'Est Unifor. Le crochet pour essayer de faire la différence. Là, il y a faute. Il y a faute. Et ce qui est bien à l'arbitre, les gars, il est très, 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 très souvent à 2-3 mètres de l'action. Donc, quand vous avez un arbitre qui est si près de l'action, c'est difficile que sa décision soit pas correcte. C'est très difficile parce que il est souvent très proche des actions. Et ce qu'on va venir pour cette formation de l'Est Dynamo. Attention, l'Est Dynamo, pardon, possibilité de réduire le score. Et ce ballon capté par le gardien. Mais là, Dynamo avait une vraie occasion pour réduire le score. Et ce ballon en direction de Claudion Noam. Claudion qui va mettre le ballon dans la boîte. Intervention de la tête en deuxième ballon avec Digbe Alexis. Il était en jeu. Il était en jeu, Digbe Alexis. Et cette équipe de un uniforme qui a un peu plus d'espace. Mauvaise passe. Mauvaise passe de Lucide. Et très bien joué. Très bien joué. À Francis Léonard. Ah, il va y avoir un changement. La sortie du numéro 6. Voilà, c'était... La sortie de Ali Ngada Sami. Ali remplacé par le numéro 12. C'est le Coréen William. Oh!
Attention à ce ballon. Vous habitez du centre. La contrée. Deuxième ballon. Avec cette équipe en deux carénage. Ballon dégagé. Digby Alexis en retrait. Pour à son numéro 3. Il n'y a pas rejeu. Il n'y a pas rejeu. Possibilité de troisième but. Avec Francis Léonard. À possibilité de troisième but. Et ce ballon capté. Allez, ce ballon capté par les gardiens. Intervention avec Bonardé, Ludric. Allez. Il y a faute sur Digby Alexis. On voit cette action où cette équipe en deux carénage avait la possibilité de tripler la mise au tableau d'affichage. Et ça reste en 2-0. Digby Alexis, 11e minute en deux jeu. 48e minute, Francis Léonard. Ouais, vendredi sur Total Sport Caraïbes. Vous avez deux rendez-vous avec nous. À 16h, 17h. La Total Régal sur Total Sport Caraïbes. Et puis 20h30, l'USBM face au leader, le Sirocco des Abîmes. Attention à ce ballon. Le centre intervention de la tête, ce ballon dégagé, récupéré par William. Le ballon sur le côté droit, possibilité du centre. Allez, ballon capté. Allez, Florian. Intervention de Bonadé. Qui trouve. Raoul Galantine. Le ballon n'est pas sorti. Merci. La touche pour les locaux. Voilà la sortie du deuxième buteur. Francis Léonard, remplacé par Sextus Mike. Mike Sextus remplace le deuxième buteur de ce match. Ce sera sa 12e minute en jeu. Sextus Mike. Le numéro 10 du carénage, oui, techniquement, il est bon. Tout comme le numéro 8 également, Galantine Raoul. Mais bon, gabarit, ça fait pas grand chose. Messi, c'est un petit gabarit. Donc, Messi, c'est 1m70, 72. Voilà. Donc, voilà. Après. Quand vous avez des joueurs de ce gabarit, ils sont rapides, techniques, ils sont pratiquement injouables. Mike, Sextus. Un coup franc pour un uniforme. Le contrôle de Mike. Non. Ils ont mis le ballon en profondeur pour personne. Ça va sortir en touche. Attention, joueur. Un touche chapeau. On est venu faire avec. Boucher Daniel qui est passé comme défenseur droit.
Digby Alexis touche chapeau à cette équipe en de Nénuphar. Attention, ce ballon, intervention, attention, possibilité de réduire le score à ce ballon. Et donc, toujours pour, c'est pour cette formation de carénage. Allez, salut nos amis qui sont sur YouTube avec nous. 75e minute en de jeu. On est à 15 minutes en de la fin de ce match entre les deux formations. Carénage qui est en train de prendre une option. Voilà, avertissement pour le numéro 14. Félicitement, Isaac. Akufo à venir pour les carénages avec Bonadé. Ludric, l'ancien gardien de la solidarité scolaire. Bonne année qui met le ballon. Attention les gardiens. Oh là là. Mike. En fait, oui, c'est bien Mike qui n'a malheureusement... si Mike n'a malheureusement pas repris malheureusement il n'a pas redressé le ballon relâché par le gardien de Nénuphar. Attention, et cette frappe qui est passée à côté. Ah, en attaque, Nénuphar n'a pas montré beaucoup de choses. Ah, il n'a pas montré. Beaucoup de choses. Après, tous les gardiens font des fautes de main. Tous les gardiens font des fautes de main. Mais je trouve honnêtement qu'il y a de bons gardiens en championnat cette saison. Par exemple, le gardien du Sirocco. Le gardien de du Phare, l'Enclume Gaston. Il y a également qui d'autre? Il y a de bons gardiens. Le gardien de l'Étoile, c'est un bon gardien, Christophe Boncoeur. Non, il y a de bons gardiens, mais bon, après, c'est arrivé, même si ces jours-ci, il y a pas mal d'erreurs des gardiens. Mais je trouve qu'il y a de bons gardiens. Il y a de bons gardiens. Voilà, Kevin Ajax, c'est un bon gardien, même si
sur ces derniers matchs, il a commis pas mal d'erreurs contre le Sporting. Donc voilà, mais bon, après, c'est des bons gardiens. Attention à ces ballons. Il y a au jeu de Mike Vincectus et Calvados. Calvados, depuis son retour, il sauve la solidarité scolaire. Depuis son retour, hier soir, il a sorti encore un très, très, très bon match. Pour moi, après Yaron Atlan, c'était le meilleur joueur de l'ASS. Donc, si l'ASS avait deux bons joueurs, c'était Yaron et Calvados. Et contre l'USBM, c'était pareil. Il a sorti un match monstre. Même en finale contre le CSM, il a sorti un très, très bon match. Donc, voilà. Après, pour avoir de bons gardiens, il faut avoir une bonne équipe aussi, des fois. Il faut avoir une bonne défense. Parce que, voilà. Attention à ce ballon. Possibilité de troisième but. Cette frappe qui est passée au-dessus. Et cette frappe est passée au-dessus. C'est Raoul et Galantine qui a frappé ce ballon. Oui, oui. Ces derniers temps, il y a beaucoup de cadeaux. Je suis d'accord avec toi. Noyon, il y a beaucoup d'erreurs. Mais après, c'est pas de très mauvais gardiens. Même Charles Guiteau, c'est un très bon gardien. Et regardez l'erreur qu'il a commise contre le phare de Petit Canal. Donc, oui, je suis d'accord, complètement d'accord avec toi, parce que c'est un constat, c'est un fait. Ces derniers temps, les gardiens, il faut commettre pas mal d'erreurs. Quand vous prenez le match CSM, le Sporting. Voilà, je pense que si le gardien du Sporting était beaucoup plus intelligent, malgré sur ce but, je pense que la défense était aussi mal placée. Après, c'était un coup franc assez vicieux. Après, voilà, je pense que le gardien aurait pu faire mieux sur cette action. Après, vous prenez le but du Sporting contre le CSM. C'est la faute de Kevin Ajax. Donc voilà, c'est un constat, Joël. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que ça, c'est un constat qui est clair. Il y a beaucoup d'erreurs ces derniers temps avec les gardiens. Après, bon, il y a une belle question que Raymond a posée. Combien de clubs qui ont vraiment un entraîneur de gardien? Parce que, comme tous les joueurs, le gardien a besoin de travail. Attention à ce ballon. Il s'est bien fait. Il s'est travaillé une intervention de la tête. Il y avait hors-jeu. Et d'où? Et d'où, Bastien? Edou Bastien qui envoie un petit message à Roland Jovial du fort de Petit Canal. Bonsoir, Roland. Mais c'est aussi le phare, c'est une vraie machine. Hein. Voilà, il y a le numéro 3. Patri Joanne qui est au sol pour cette formation de carénage.
Voilà, le score est donc à 2-0 pour cette formation de carénage avec des réalisations. 11e minute de jeu à Digby Alexis. Et 48e minute, Francis Léonard. Francis Léonard, le deuxième buteur. Donc pour le moment, les deux buteurs qui sont plus sur le terrain. Voilà, c'est le deuxième but de cette équipe de carénage de Francis Léonard. Et voilà la réduction du score, hein, mesdames et messieurs. Voilà la réduction du score à 85e minute en de jeu. On va revoir à ce ballon la déviation de la tête. Et voilà, il me semble, c'est le numéro 8 ou le numéro 5 qui a marqué. Alors, la réduction du score de 2 buts à 1. Voilà le troisième entre-temps. Ah, j'étais en train de regarder qui est le carénage qui reprend l'avantage. J'ai même pas eu le temps de savourer c'est alors à 3 buts à 1. Donc j'ai mis le tableau d'affichage à jour. Après, on gère tout ça. Et 3 buts à 1, mesdames et messieurs. Donc cette équipe de carénage qui n'a même pas mis du temps. Pardon, 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 pardon. C'est 3 buts à 1, autant pour moi. 3 buts à 1. Donc voilà. Le troisième but, j'ai même pas eu le temps de... Ah, c'est un but contre son camp. C'est un but contre son camp. Attention, il y a un jeu. Il y a un jeu. Voilà, 88e minute en de jeu. Ah, le ballon dégagé. Bon, là, il faut que je trouve le but de carénage.
Attention à ce ballon, possibilité. Très l'intervention du gardien. Très très bonne intervention du gardien. Du carénage. Et ce ballon contrôlé par Mike. Digbé Alexis qui va mettre le ballon et mauvaise passe de Digbé. Attention, attention, et c'est très bien fait par le portier de carénage. En fait, ne défend pas dans. Ballon perdu, récupéré par cette formation de carénage. La passe en deux, un coup de John Oham. Voilà, on va revoir le but de. Voilà, là c'est le but de carénage. Attention à ce ballon. Attention. La passe, possibilité de 4-1. Possibilité de 4-1. Une très bonne défense. De cette équipe de carénage. Ouais, c'est le numéro 5 qui a marqué le but de carénage. Eh oui, le week-end sera festif. Le week-end sera festif, donc moi je propose aux gens de suivre avec moi. Voilà, je pouvais diffuser que deux matchs malheureusement ce week-end. Et de toute façon, on va se régaler, on va se régaler. De toute façon, on va se régaler. Alors, bonjour, les minutes d'état additionnel, c'est 4 minutes qui ont été octroyées par l'arbitre. Attention à ce ballon, le dégagement de Bessaroué. La tête. Et c'est bien fait, c'est bien fait. La possibilité d'une frappe. Là, il faut peut-être frapper. La frappe à l'Oétaine à ce ballon. 4-1 de temps pour le gardien. Et cette frappe par l'Oétaine est captée en deux temps par le gardien. Le dégagement. Ah, malheureusement, Nenifa commence à jouer trop tard. Il y a faute sur le numéro 10. Mouaniapé Kevin. A descendu, coup franc. Voilà, avertissement pour le joueur de. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, les deux matchs. D'abord, vendredi soir, Sirocco, l'USB. En fait, l'USBM Sirocco à Bemao. Et puis samedi soir, le derby moulien, Dynamo CSM. Donc voilà, et ce derby à suivre sur Total Sport Caraïbes. Ça va être chaud, hein? Ça va être chaud au bout, attention à ce ballon sur le côté droit avec bien sûr Galatine Raoul. Pour jouer ce ballon en profondeur, le ballon est allé. Le ballon est allé dans le décor. Allez, vendredi à 16h, vous avez rendez-vous avec moi également avec l'une des révélations ou encore la révélation. Du championnat pour le moment, en tout cas pour nous. Il sera avec nous vendredi à 16h dans Total Régal. Attention à ce ballon au second poteau. Alexis Digbe, le capitaine pour contrôler les cures.
Digby Alexis, attention, le joueur est déjà au sol. Hein. On lui a même rien dit, on lui a rien fait, il était déjà au sol. Et ce ballon, voilà qui m'éteint à ce match, mesdames et messieurs. Attention, attention, monsieur, levez-vous. Levez-vous. Et voilà, c'est la fin de ce match. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec cette petite action. Ouais, du total régal. Merci à chacun de vous. Non, je ne mets pas mon maillot pour aller au moule quand même. Je ne mets pas mon maillot. Donc, à moins que si j'avais un maillot de Dynamo, j'aurais mis le maillot de Dynamo en première période. Et en deuxième période, j'enfile le maillot du CSM. Mais pour le moment, je n'ai pas le maillot de Dynamo, donc je ne vais pas faire ça. Donc voilà, merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. Merci vraiment. On va se retrouver vendredi soir, vendredi après-midi à 16h d'abord pour l'émission Total Régal avec les experts pour analyser cette journée. Et puis, rendez-vous 20h à l'USBM contre le Sirocco. Merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. Bonne soirée, à très vite sur Total Sport Caraïbes.